En tout cas, la vidéo ici est pour vous. Je la dédie à tous ceux qui me visionnent à cette heure-ci. Je vous remercie infiniment, vous qui me visionnez du début jusqu'à la fin. Vous qui partagez mes vidéos, je vous dédie la vidéo ici. Vous qui commentez sur les vidéos, en tout cas, merci, merci beaucoup. Alors, niaou niaou, on est là. Mick Emmanuel, Carla Wazo, Animbala, Irene Mabueni, merci, merci Nasipo Nabino, indéterminé na chaîne la chronique de Net TV. Alors, Fara Fara de Fali Ipupa et Niki Menga. Bango mi balé anamini choyo. Il faut bakuta na basolola. Pona bana. Bana na bango baza a danger, bakomi a danger. Bakomi on dirait ba papier moko boye oyo n'importe qui a koleka abandi ko finga. Quel que soit côté abatu oyo baza ko sepela na baza ko supporter Niki Menga. Eza de temps oyo baza ko finga Marco 6. Ce qui n'est pas bon ti lelo naza ko teleme la makambo wana. Côté pe abatu oyo baza ko teleme baza ko protéger Fali ou baza ko supporter Fali. Bazo finga mwana. Mwana ya Niki na ndenge ya mabe. Eloko na kosenga na bino ba de parents. Bozu wa solution na likambo oyo. To matato kita, to banda kolakisa batu misapi, ezo pesa sou propriété pona bana. Bleza fa so sacré. Il faut vraiment épargner les affaires de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quel que soit les problèmes des parents, invitons à mélanger les affaires des parents avec les affaires sur une même assiette. Ça ne fait pas du bon, ça ne fait pas du bien du tout. Des mères officielles, des mères Nyangi, des mères, je t'ai appelé combien de fois? Tu fais toute une émission pour insulter une fille qui n'a pas ton âge. Je sais que tu es une jalouse. Tu es jalouse de sa beauté. La beauté de la fille de Fali Ipupa t'énerve. Ça te fait mal à l'aise. Je suis sûr que c'est à cause de cela que tu t'acharnes contre la fille, la petite fille là. Est-ce que c'est Fali Ipupa il a de quoi à te présenter comme des preuves? Le moment où Niki Menga est Fali se sont rencontrés, qui était là? Le moment où se sont décidés d'avoir un bébé, qui était là? Le moment où Fali Ipupa est parti à l'hôpital pour recevoir sa fille dans la vie, dans ce monde, qui a été là? Mais le lokaka, yo ozwa audace ako sala ba mission ya ba ADN. Est-ce que c'est ta famille? Quand tu vois la fille là même qui est là, tu vois Fali, tu ne vois pas que c'est comme des jumeaux. Combien de fois Fali à Côte d'Ivoire, à Abidjan, il a toujours dit qu'il parle de sa fille, toujours sa fille. C'est toi, kaka yo, nde okoya ko changer Fali pour panini langage. Toi, tu as des enfants, nani yo, des mères, ozana mwana. Qui t'a déjà demandé les problèmes de ADN de tes enfants? Est-ce que les gens ont oyo penda za konini ko forcer bino bosala ADN eza vina yo etali yo yo muto yebi papa ya mwana wana bien que oza ko simba basi mibali ebele c'est toi même qui couche avec Ambassi demeure tu couches avec Edi Badiata tu couches avec tous les musiciens de F Victim c'est toi qui veux donner des leçons morales à des personnes pour aller faire des ADN toi tu es qui? Tu es qui dans la vie de Fali Ipupa? Tu es qui dans la vie de Niki Menga pour exiger à ces deux personnes d'aller faire l'ADN? Le monde va à l'envers. La personne comme toi, Demer, tu es qui devant Fali Ipupa? Demer, est-ce que toi tu peux parler devant Niki Menga? On met Niki comme ça et toi vous pouvez parler. Vous allez parler de quoi? Une fille mère, toi tu es une fille mère, une fille qui a raté sa vie. Une fille qui n'a jamais goûté la vie des foyers. Une fille qui n'a jamais goûté le mariage. Toi,
Tu passes sur les réseaux sociaux insulter la fille de quelqu'un. Et c'est toi qui veux exiger l'ADN. Tu n'es pas intelligente, demeure. Tu n'es pas intelligente. Je regrette vraiment, quand je te regarde, je regrette les parents qui t'ont mis au monde. Je regrette vraiment énormément. Quel que soit le problème, quel que soit le problème de Nicky Menga, de Fally Ipupa, insulter Fally, ce n'est pas le problème. Insulter Nicky Menga, où est le problème? Mais les affaires sont sacrées. Éloignez les affaires de vos futilités. Éloignez les affaires de vos diversités. Éloignez les affaires de tout ce qui concerne vos bêtises sur les réseaux sociaux. La fille, là, n'a pas ton âge. La fille, là, tu veux la traumatiser à partir à propos de quoi? Elle t'a fait quoi? Est-ce qu'elle t'a vu où? Elle t'a connu où pour la traumatiser? C'est la fille à son père. Il ne vit pas ensemble, certes, il ne vit pas ensemble. Toi, comme ta fille aussi, tu ne vis pas avec son papa. C'est normal. Niki Menga a la capacité à koyebisa mwana wana kolobisa papa na yote parce que c'est elle qui a éduqué la fille. C'est elle qui a éduqué la fille depuis son enfance. Elle mwana wana belaka maladie. Quand la fala a mot de tête, la nuit à minuit qu'elle réveille sa maman pour dire que maman je me sens mal. Est-ce que falia za la kawana? Est-ce que demeure za la kawana? Elle bango bakende ke hôpital bakende ke classe soki baza ko exiger présence ya ba parents nyonso mi balé bino bozalaka falia kozala wana nikipe kozala wana parce que baza na posa ba deux parents niki a dike mwasi mwana na efaso oya lingia zala soki mwana na lingia koma mais biso to mona bomona combien de d'impoli ici na niveau ya poto les affaires de 15 ans trop impoli baba na pe baza na parents papa et maman sont dans la maison mais les affaires sont trop impoli, très impoli. Il faut féliciter quand même des gens. Il y a des gens à féliciter. Vous voulez toujours intoxiquer les gens avec des mensonges, avec des insultes inutiles à l'égard de Nikki. Nikki, c'est une femme à un moment donné à féliciter. Il y a les affaires qui sont devenues dévergondées ici en Europe. Les affaires sont devenues incontrôlables. Pendant qu'ils ont des parents, le papa et la maman dans la maison, mais les affaires sont devenues incontrôlables. Mais il faut, au lieu de glorifier Nikki, qui est une femme seule, elle a éduqué ses affaires seule, elle les protège seule, elle les garde seule. Les affaires ont fini les études. Au lieu d'apprécier, ne fût-ce qu'un côté positif, de la dame, vous critiquez tout ce qui est Nikki Menga. Encore une critique négative. Ce n'est pas normal. Au moment où je vous parle, Nikki et Fally se communiquent. Nikki et Fally se parlent. Puisque il y a le sang, il y a alias du sang entre ces deux-là. Nikki, il sait qui est le papa de ses enfants. Fally, il sait qui est le parent de ces affaires-là? Ce n'est pas à toi de mère de donner les gens une leçon morale. Toi, tu es qui devant Fally? Tu es qui devant Nikki Menga? Tu es qui? Tu n'as rien, tu n'as aucune leçon morale à donner à ces deux personnes. Puisque toi-même, tu es dévergondé. Tu as eu un enfant dans ta maison qui n'a pas de papa. Tu devrais te taire. Les gens qui vivent ici en Europe, ils connaissent la vérité. Toi, tu n'as aucune réalité. Tu as la réalité africaine, la réalité congolaise. Mais les gens qui vivent en Europe, ils ont une réalité européenne. La façon de vivre ici, la façon de faire les choses, n'est pas la façon de faire les choses au Congo. Par preuve, Kadiombo est mort. Si c'était ici en Europe, on protège même les opposants. Alors, il faut bien comprendre les circonstances. Nikki Menga n'est pas ton ami. Elle ne sera en aucun cas ton ami. C'est la femme de ton patron. C'est la maman des affaires de ton patron. Quand tu cites les affaires même de ton patron, tu t'attends en quoi? Tu penses que Fally a ko sepela? Tu penses que Fally est content de ce que tu es en train de faire, de tes comportements?
Je ne dis pas seulement la petite ici des mères. Je dis la même chose à tous ceux qui vont insulter les affaires de Nana Ketchup. Tous ceux qui vont insulter les affaires de Nana Ketchup, ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment mûres. Ils ne sont pas mûres. Puisque les affaires sont sacrées, qu'est-ce que Marcosi a fait à tout le monde là? Si Nana Ketchup a des problèmes, ce n'est pas à Marcosi le problème. Si Nana Ketchup a des problèmes avec vous, réglez ça entre vous. Laissez les affaires à côté, s'il vous plaît. Les affaires n'ont rien à faire dans toutes ces choses ici. Les affaires ont besoin de leur vie. Les affaires ont besoin de leur délire. On devrait féliciter tous ces affaires-là, puisque on a toujours dit que les affaires des musiciens ne réussissent pas. Ils ne vont pas à l'école. Quand on voit les affaires en train de réussir, avoir des bacs, pourquoi tous ces pelana makambwana te? Au lieu de louer makambwana, tous féliciter ba acte wana, biso kaka, critique kaka, kofinga kaka, bana lisusu. Nga soki mutu afingi Nana Ketchup, ça ne me regarde pas. Oya fingi Nicki Minaj, ce n'est pas un problème. Oya fingi Fally, ce n'est pas un problème. Mais laissez les affaires quand même respirer. N'étouffez pas les affaires avec vos bêtises. N'étouffez pas les affaires avec vos blablabla. Bla bla, puisque les affaires ne vous ont rien fait. Il n'y a aucun affaire qui a écrit à Fally Ipupa, mettez-moi au monde. Il n'y a aucun affaire qui a écrit à Nana Ketchup, mettez-moi au monde. Aucun affaire a écrit à Nicki Minaj de le mettre au monde. Ce sont les accords entre Fally Ipupa et Nicki Minaj. Accords entre Fally Ipupa et Nana Ketchup qui a mis toutes ces affaires-là au monde. Alors si vous avez des problèmes avec Nicki Minaj, vous avez des problèmes avec Nana Ketchup, soit Fally Ipupa, adressez-vous directement à Fally, un homme qui est vraiment un homme avec H majuscule. Une femme qui est vraiment une femme avec H majuscule, il n'a peur de rien. Quand vous vous exprimez, soyez libre. Si vous adressez à Fally Ipupa, adressez-vous à Fally. Si vous adressez à Nicki Minaj, adressez-vous à Nicki Minaj. Si vous voulez vous adresser à Nana Ketchup, adressez-vous directement à Nana Ketchup. Au lieu de tourner à rond, trouver les moyens indirects pour atteindre Fally, vous allez passer par les affaires. Mais là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les affaires vous ont fait quoi? Ce sont les affaires qui ne sont même pas des dévergondés. Ce sont des affaires qui vont à l'école. Ce sont les affaires qui réussissent à l'école. Et maintenant, qu'est-ce que les affaires font dans tous ces choses ici? Baza ko sala nini ma nini de bana baza ko sala makambo. Pourquoi boza ko tia bango na salité oyo? Oso na lobby on aza ko loba. O kuna ba finga ki boy. Mais ceux qui ba finga, il faut ko bino boza la table exemplaire. Il faut être exemplaire. Nicki Minaj a besoin des gens qui vont lui donner les idées comment gérer, soit comment l'association marche. C'est ce qu'elle a besoin. Elle n'a plus besoin de blablabla. Puisqu'elle est déjà connue, elle a déjà une association. Il est temps de s'organiser, de gérer, de trouver les idées, les plans, des visions pour la bonne marche de l'association. Au lieu d'insulter, qui n'aboutira à rien. Vos insultes n'iront rien, n'iront nulle part, n'aboutiront à rien. Alors, na muto pe azako finga nani eza la pe kote ba ya ba ni kena quand vous insultez kena, vous l'insultez, ça vous donne quoi à la fin? Ça vous donne quoi? Vous dégagez de quoi? Il n'y a rien. Bozaka ko tourner à rond logique eza wana pe ba vérité eza na kati. C'est Nicki Minaj qui a les problèmes, c'est Fally Ipupa qui est dans les problèmes et Nana Ketchup. C'est Baba centre monter à makambo eza bango misato. Soki boza na posa ko finga, ya ko démarrer bango, ya ko pesa bango conseil, ya ko pekisa bango na makambo, adressez-vous na bango directement. Botika makambo ya bana. Bana baza ba innocent. Na makambo oyo yango eza ko lembisa penza batu kutu balobela makambo ngoli soki bomoni bien makambo ezoke nena ko kufa, ezoke nena ko sila. Ekomi na suka parce que ko fingele ki mingi batu bakomi ko bendana. Soki zalaki makambo moko objectif, Nicki aza ko sala likambo oyo penza ba batu bamoni ke ba motivation eza na kati. Nde makambo ezoke ne kitoko penza makasi, me ko finga eleki mingi. Pe batu soye baza ko yebisa bino botika ko finga. On dirait ba peki sibino likamoko boye oyo eza impossible kotika. Yango nasuka boya boko ya komona ke
makambo bozomona ndenge eza okende ebandi ezokita deja eza sur na mpere makasi te parce que bainsulte surtout na kote ya bana ezokota mutu na mutu aza kobendana parce que malédiction oyo ekoya mpo na bana il ne faut pas y affecter mutu nyonso alors mutu na mutu akomi kobendana parce que bainsulte eleki mingi ngai naza ndeko na bino grand frère na bino petit frère ya bamisusu noko ya bana tonton des enfants muyomba ya batoto yote alors bo s'abonner. Je vous aime trop et à la prochaine. Bye.